allons poursuivre cette émission avec Régis Martin et les produits Lulle, l'éclat, sortir de l'hiver, dépresser sa peau au quotidien. Bonjour Régis. Bonjour Monique, comment ça va? Très bien, et vous-même? Alors je dois rappeler aux auditeurs que Régis est déjà passé sur notre antenne et nous arrive avec de très très bons nouveaux produits et la parole est à Régis Martin. Allez Régis. Merci beaucoup Monique. Alors nous allons voir ensemble avec Monique comment sortir de l'hiver quand sa peau est fatiguée et le teint terne. Et pour cela, nous avons chez Lulle deux nouveaux produits qui sont assez extraordinaires, qui sont une crème nettoyante, et on verra à quoi elle sert dans des protocoles que je vais vous proposer, et également un baume exfoliant qui s'appelle Pureté Essentielle. Tout d'abord, pour ceux qui n'avaient peut-être pas écouté nos précédentes émissions avec Monique, je vais vous rappeler la particularité de la gamme Lulle et de ses produits. Tout d'abord, ce sont des soins visage exclusivement, qui sont des soins de très très grande qualité. La particularité, c'est qu'ils agissent préférentiellement et en priorité sur les capteurs olfactifs des kératinocytes et également les capteurs olfactifs au niveau nasal. Ça apporte quoi comme bénéfice? Vous avez une lutte contre tout ce qui est, on va dire, effet de stress sur la peau et vous avez également un déclenchement de régénération tout en apportant du bien-être. Ces produits-là sont également absents de tout produit occlusif, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont libérer la peau pour lui permettre de respirer en ayant des matières naturelles qui vont la nourrir, qui vont l'hydrater et qui vont lui permettre d'avoir tous les nutriments qu'il lui faut. Je dois rappeler aux auditeurs que Régis Martin est docteur en pharmacie. Ça, je tiens à le dire. Je suis docteur en pharmacie, cosmétologue, expert en substances végétales et je travaille avec des leaders en dermatologie dans tous les travaux que l'on fait chez Lulle. Alors Régis, si on commençait par le baume exfoliant. Alors le baume exfoliant, en fait, je vais vous proposer de l'intégrer, le baume et la crème nettoyante, de les intégrer dans deux protocoles, un destiné aux peaux grasses à mixte et un destiné aux peaux normales à sèche. On verra qu'on va les adjoindre avec un tonique lumière et également avec une crème régénérante. C'est toujours important de respecter sa peau dans une trilogie, on peut dire une trilogie de nettoyage, remise en état de la surface et bien sûr d'hydratation profonde et de protection. Le premier protocole, et ce protocole global, va nous permettre en fait de débarrasser la peau des cellules mortes à la sortie de l'hiver, ce qui est très important, de déclencher la régénération des cellules épithéliales et d'apporter de l'hydratation et de nourrir la peau en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'on va en avoir comme résultat, vous allez me dire, Monique, non? Ah ben oui, moi j'attends surtout que vous en parliez, parce qu'après j'aurai mon mot à dire, Régis. Ah ben j'espère bien, c'est très positif. Alors la peau sera nette, la peau sera veloutée, et on va affiner le grain de peau à la sortie de l'hiver pour avoir un teint frais et lumineux qui convient parfaitement au printemps. Le premier protocole donc, pour ce teint de rose, qui s'adresse aux peaux grasses à mixte, va être tout d'abord de faire un nettoyage tous les soirs avec la crème Pureté Essentielle, qui est une crème qui est uniquement formée avec des agents lavants très très doux, contrairement aux crèmes lavantes qu'on trouve habituellement. Et les extraits végétaux vont lutter contre l'inflammation de la peau, vont lutter contre le stress, grâce à l'aromathérapie spécifique des produits, qui agit sur les fameux récepteurs cutanés dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ça va décongestionner, nettoyer sans irriter, et lutter contre la surproduction de sébum. Donc déjà, la peau va avoir un gain très très beau et commencer à être soignée de tous les maux de l'hiver. Ensuite, ça c'est le premier temps. On en passe au deuxième temps. Premier produit, il y a quatre étapes. Le deuxième produit, c'est un produit qui s'appelle le tonique lumière, donc qui a une aromathérapie spécifique. Et là, on va l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Ce produit est enrichi en acide de fruits. Et il va aider à éliminer les impuretés, à drainer les toxines, et il va encore accélérer la régénération de la peau, pour avoir toujours un teint beaucoup plus net et des pores plus resserrés. Une fois qu'on a fait ce protocole de nettoyage et de gommage, nous allons appliquer en fait la crème régénérante avec l'aromathérapie spécifique. C'est la crème régénérante de mémoire dont nous avions parlé ensemble, avec 2 à 3 doses, concentrées en actifs hydratants, antioxydants et régénérants, grâce aux fragrances d'aromathérapie qui composent le produit et leur base naturelle de très grande qualité. Nous allons apporter hydratation, équilibre, régénération à la peau. Le teint va être beaucoup plus lumineux, la peau beaucoup plus souple, rebondie, et ça va apporter visiblement plus de jeunesse et beaucoup plus de qualité à la peau.
Alors, je dois dire quand même, Ensuite, je dois dire que ce qui est magnifique, c'est que tous ces produits que vous présentez se rincent à l'eau et laissent vraiment une douceur aussi bien au doigté qu'au passage sur la peau. Comment faites-vous? Parce qu'on a l'impression que ça se transforme un peu en huile quand on rince à l'eau. alors, quand on prend ben, le baume dont j'allais parler, qui est en fait la dernière étape, parce que notre Oui. baume, j'utilise une fois par semaine, et là c'est un produit vraiment exceptionnel. Ce baume exfoliant pureté essentielle, il a une galénique qui s'appelle Évolutive. Nous avons dans ce baume une huile qui est sous forme en fait, on va dire, solide au démarrage, et quand on va l'appliquer sur une peau sèche, un gommage sur peau sèche, on va commencer à l'étaler et à se masser le visage. Donc, on va bénéficier de l'effet de l'aromathérapie. Nous allons bénéficier de l'hydratation, car cette huile est d'une huile de sésame. Et cette huile de sésame contient des microbilles de bambou et des microalgues. Ce qui fait qu'on va avoir un gommage à l'huile, un gommage naturel et un gommage sur la peau sèche. Donc, on va exfolier en hydratant. Et petit à petit, ce baume va se transformer en huile. Donc, il va être plus gommant, plus agréable et encore plus hydratant. Et à la fin, pour enlever l'intégralité des microbilles et que la peau soit vraiment nette, fine et radieuse, on rajoute de l'eau et là, d'un seul coup, ça va fabriquer une émulsion. Donc, pour parfaite hydratation de la peau, cette émulsion va également extraire toutes les microbilles, ce qui fait que la peau va rester parfaitement nette et belle. Et ça va permettre de faire un beau gommage mécanique, puisque c'est un gommage mécanique avec Tout les à microbilles, fait. sans la dessécher, en l'hydratant et en la rendant vraiment parfaitement nette, fraîche et incroyablement douce. Voilà, c'est ça le produit, le baume exfoliant pureté essentielle, qui est le point final de ce protocole en quatre étapes qu'on vient de voir, avec donc le nettoyage très important avec la crème nettoyante. Aussi, cette crème, vous avez vu, elle apporte des bienfaits à la peau extraordinaires. Le tonique pour affiner le grain de peau et avoir là un gommage qui s'appelle un gommage non agressif, enfin non agressif, un gommage qui n'est pas mécanique. Oui. Ensuite, on a la crème régénérante à appliquer à 2-3 doses en permanence. Et enfin, une fois par semaine, ce gommage avec les microalgues et les microbilles de bambou et cette huile de sésame. Donc, Sur peau mesdames, sèche, très important. bravo. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes prêts pour déstresser votre peau. Ah mais c'est un plaisir, Monique. À très bientôt. Merci, Régis.